atteindre le but. Kino ete tokoma na tina na yango penza. Le but. Tina. Il faut que chaque prédicateur soit sûr qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et chaque pasteur, je sais que c'est difficile, mais Dieu est capable de nous aider. Amen. Amen. Il va nous aider. Et je crois que le Seigneur fera ça. Okay. J'ai ici les salutations. Il y a le frère Ilungambia et son épouse aux États-Unis qui vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le pasteur Yves Kabasele d'Iowa aux États-Unis qui vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le pasteur Mbaya de Gemena qui vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres peut-être j'ai oublié. Mais ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous tenons à remercier Tozali Kotonda, l'équipe de notre bien-aimé frère Kéran, équipe Yandeko Nabiso Kéran, qui nous a soutenus depuis que nous avons eu les campagnes ici. Bango basunga kibiso uta tobandaki campagne awa. Pour la prise de vue. Pour na kozwa bililingi. Et pour le montage vidéo. Pe pour na ko monter ba image vidéo. Vraiment, ils ont fait un grand travail. Basali penza mosala moko monene. Un travail louable. Mosala penza bakoki kokumisa. Si vous avez le CD, le DVD ici, c'est grâce à cette équipe là. Soki bozana ba DVD na ndako na bino ezali équipe wana nde basala ki mosala monene wana. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu les bénisse richement. Et vous pouvez, ceux qui vont le voir, les transmettre nos félicitations et nos remerciements. Pourquoi nous les remercions aujourd'hui? Parce que le Dieu de Branham nous a bénis. Il nous a donné des instruments, des matériels pour ses services. Donc maintenant nous avons nos propres caméras. Nous avons nos propres machines pour traiter les images. C'est une grâce. C'est une grâce spéciale. Une petite église. De quelques 3-4 mois. Mais Dieu nous équipe. Oh, alléluia. Amen. Nous devons vraiment remercier le Seigneur pour ça. Et les bien-aimés qui nous soutiennent. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Amen. Alors, j'avais déjà prié pour ces caméras. Maintenant, nous allons encore prier. Maintenant, c'est l'église des élus qui va prier ensemble. Inclinons nos têtes. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, c'est une grande joie pour nous, Seigneur. Quand nous voyons ta main puissante nous soutenir, en nous équipant des matériels, oh Dieu, pour l'adoration, pour que les images puissent aller plus loin. Oh Dieu Tout-Puissant, peut-être à recevoir le CD, le DVD. Il y aura des gens qui vont se repentir, qui vont se convertir. C'est pourquoi, Père bien-aimé, nous te consacrons tous ces appareils au nom de Jésus-Christ, que tu puisses les protéger, qu'ils puissent durer le plus longtemps possible et que tu puisses bénir les mains
qui ont travaillé pour que nous puissions avoir ces caméras. Oye, sali poete bisoto zo ba kamera oyo. Seigneur Jésus, Kolo Yesu, nous remettons nous tous entre tes mains. Pour que ce travail qui se fait ici ne soit pas le travail d'un homme, mais que ce soit ton travail à toi. Accorde cela, Père bien-aimé. Et donne de l'intelligence aux jeunes gens qui vont utiliser ces appareils, ces caméras, pour qu'ils puissent les chérir, qu'ils puissent les protéger, afin que ces appareils puissent durer le plus longtemps possible. Et quand nous serons partis, les catholiques viendront prendre ça et les protestants pour s'en servir. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a visités le dimanche passé. Tout le monde qui m'a appelé à travers le monde et qui avait suivi le service, le mot qu'ils utilisaient tous, il disait c'est spécial. Moi je me demande comment tout le monde c'était spécial. Spécial, c'est vrai, parce que Dieu était ici. Non seulement il était ici, c'est parce que c'est la Pentecôte. La Pentecôte signifie 50 jours après la Pâque. La première Pentecôte en Israël, c'était 50 jours depuis la Pâque. Jésus est ressuscité. Il est resté avec eux pendant 40 jours environ. Et il leur a demandé d'aller attendre à Jérusalem. Et ils sont allés attendre à Jérusalem pendant 10 jours. Donc, 50 jours, le Saint-Esprit est descendu. Mais bien aimé, parfois nous voyons certaines choses avec nos yeux charnels. Je vous l'avais dit dès le début, que ça c'est un événement. Nous avons parler de la Pâque ici. J'ai prêché pour la Pâque. Donc, depuis cette Pâque-là, jusqu'à le 24 mai, c'est 50 jours. Encore une Pentecôte. Pentecôte lissoussou. Alléluia. Amen. Frère. Bandeko. Je ne veux pas exagérer. Mais c'est une vraie Pentecôte. Quand c'est la Pentecôte à solo, Dieu descendait ici. Il y a eu des frères ici qui ont vu la lumière se déplacer dans cette salle. Pendant que le Saint-Esprit se mouvait ici, Dieu était présent ici. Il y a même un frère qui a vu l'arc-en-ciel ici derrière. Pendant qu'il priait, une voix lui a dit, ouvre les yeux. Regarde. Trois fois. Et quand il a regardé, il a vu l'arc-en-ciel ici. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour nous, c'est une grande fête. Le 24 mai 2015. Le 24 mai 2015. Ce n'est pas l'action d'un homme. C'est l'action du Saint-Esprit. Je me suis réservé. J'ai reçu beaucoup de messages. J'en ai fait une collection. Les messages qui ont été reçus depuis 2010. 2013-2014, avant que je n'aie aucune idée de démissionner. Mais Dieu parlait déjà que je vais le faire sortir. S'il refuse, je vais le tuer. Mais bien aimé,
Ce n'est pas ma volonté. C'est la volonté de Dieu. Beaucoup de messages sont sortis pour parler d'un grand réveil que Dieu doit commencer ici. Ce n'est pas quelqu'un d'un homme. Et quand nous voyons que Dieu l'a confirmé, le 24 mai 2015, le 24 mai 2015, nous avons la fierté de parler à quiconque qui a toujours voulu parler de fermer la bouche. C'est le temps de fermer les bouches. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas une action d'un homme. Et je m'adresse avec beaucoup de respect à mes bien-aimés de l'Assemblée chrétienne de Rigini, que nous aimons beaucoup, qu'ils soient sages. Parce qu'il y a risque de combattre contre Dieu. Nous les aimons beaucoup. Ils ne sont pas responsables. Moi aussi, je ne suis pas responsable. Mais c'est Dieu qui est responsable. Le fait de voir Dieu descendre ici, cela devait nous donner beaucoup de crainte et beaucoup de sagesse. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire. Dieu est souverain d'utiliser qui il veut et quand il veut. Nous ne pouvons pas lier Dieu à quoi que ce soit. Dieu est libre. Il m'a mis à l'écart pour que nous puissions nous exprimer librement, parler de ce message librement. Et je ne pouvais pas le faire tout en étant pasteur associé dans une église. C'est impossible que les gens comprennent ça comme ça. Et ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un ou contre une église, mais Dieu veut que ce message soit prêché librement par ceux qui peuvent le prêcher librement. Si vous voulez aussi le prêcher librement, vous êtes libre. Quiconque Dieu a mis dans son cœur de le prêcher librement, il doit le prêcher librement. Alléluia. Amen. Et parmi les gens qui doivent prêcher le message librement, Dieu m'a vu parmi eux. C'est pourquoi il devait me mettre à côté pour que sa parole s'accomplisse. Dès lors, nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est ce que nous. Et je pouvais même me demander avec beaucoup de respect à tous mes bien-aimés qui sont dans Baruti Tabernacle, qu'ils ne bougent pas. Qu'ils restent là-bas, qu'ils soutiennent les pasteurs de Baruti. Pour que nous puissions aller de l'avant. C'est un grand serviteur de Dieu que nous respectons. Mais nous voulons que chacun soit à sa place. C'est tout ce que nous savons. Oh, merci Seigneur Jésus. Je crois que je n'ai été en scandale à personne. Je n'ai été un scandale à personne. Je crois que j'ai parlé poliment. Je n'ai injurié personne. Je dis les choses telles que le Saint-Esprit les a mis dans mon cœur. Parce que Dieu est en train de travailler. Vous risquez d'être contre les frères. Et vous allez rester. Peut-être que ces frères-là sont dans la volonté de Dieu.
Et vous êtes contre eux. Mais vous n'irez pas au ciel. Qu'est-ce que vous gagnez? Libérez-vous. Répentez-vous. Alléluia. Amen. Mettez vos vies en ordre. Partout où vous êtes. Oh, gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et ce jour-là, le 24, il y a eu aussi des messages prophétiques. Comme c'est sorti ici, et peut-être beaucoup de gens n'ont pas suivi ça, je veux seulement le répéter tel que c'est sorti ici. Amen. Le premier message, c'était donné par le frère Etchouchou. Sango ya liboso epesamaki na ndeko Chuchu. Alléluia, alléluia. Allez-y. Oui, alléluia. Je suis descendu pour vous faire voir. Ngai na kiti pona kotalisa bino. Nettoyez-vous à partir d'aujourd'hui. Bomi petola uta lelo. Comme mon serviteur a prêché sans compromis. Lokola mosai na ngatei na compromité. Aujourd'hui, je suis descendu. Lelo ngai na kiti. Le réveil commence aujourd'hui. Kola muka ebandi lelo. Et changez votre comportement. Bobongo la lolenge na bino. Suivez les consignes que j'ai données. Oh Dieu, j'ai donné à mon serviteur. C'est une action du Saint-Esprit. Ceux qui parlent continuent à parler. Et moi j'avance avec mon peuple. Mais ils seront dans la confusion. Mais parmi vous, montrez l'amour. Pas d'hypocrisie. Et aidez votre pasteur. Soutenez-le par vos prières et soyez unis. C'est dans l'unité que nous sommes forts. Merci. Le réveil a commencé aujourd'hui et amenez ce réveil jusque dans vos maisons, dans le travail, à l'école, au marché, et c'est un réveil qui va balayer le monde entier et pour servir de témoignage. Shalom. Shalom. Le deuxième message a été donné par le frère Mandeng Makab. Le réveil que tu as entendu parler par mon prophète, c'est ce que tu as prêché. Voilà ce que j'ai fait dans la nation. Aujourd'hui, ça a commencé. Maintenant, ne t'arrête pas. Ouvre la bouche. Ne laisse pas. Ne demande à personne. Mon conseil, Toli, c'est ce que tu as dans la parole. Aujourd'hui, ils se sont moqués de toi. Quel que soit leur nom, quel que soit leur parole, n'écoute personne. Qui que ce soit, n'écoute personne. Continue. Fais ce travail. Je vais te dire une chose maintenant. C'est lorsque toi, tu prêches ce message que mes enfants sont bénis. Mais reste tranquille. J'étais choisi pour faire ce travail. Maintenant, le réveil doit commencer. Mes choisis sont ici. J'ai voulu qu'ils puissent me suivre. Parce que ma main est sur toi. Mais prie pour ceux qui te maudissent. Ne parle plus. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mon Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. M'attends du Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur. Nous devons être humbles. Je vais en parler parce que Dieu a parlé de ça. Tous les messages qui m'ont été donnés, Dieu a dit qu'il fera de grandes choses. De grandes choses. J'avais parlé l'autre fois que depuis 1993,
Dieu a dit Nzambe alobaki que je serai pasteur. Et dès que je deviens pasteur, l'état sera très court. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à poser des questions ou à trouver cela comme un scandale. Mais j'ai dit, le pasteur Baruti a répété cela le 10 mai. Que Dieu a dit, quand vous terminerez ce bâtiment, ne regardez pas la beauté du bâtiment. Car dans peu de temps, l'enlèvement aura lieu. Et j'ai dit aux frères, à partir du bâtiment qu'on a terminé, l'enlèvement est proche. Mais moi, je suis devenu pasteur après. Donc l'enlèvement devait être encore plus proche. En fait, ce sont deux messages qui sont les mêmes. Donc, on ne peut pas s'étonner de ce que moi j'ai dit ici. Alors que Dieu en avait déjà parlé avant. L'enlèvement est pour bientôt. Mais Dieu nous a promis par William Branham qu'avant que l'enlèvement ait lieu, Dieu va agir puissamment sur la terre. Une grande démonstration. Et après, nous allons partir. Donc si nous en parlons, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous ne faisons que répéter ce que le prophète a déjà dit. Seulement, purifiez-vous. Consacrez-vous. Abandonnez-vous à Dieu. Ne regardez pas au monde. Le monde n'est rien. Bientôt nous allons partir. Au temps de Noé, les gens se doutaient. Ils ne voyaient rien. Mais quand la pluie a commencé, c'était déjà trop tard. N'attendez pas ce temps-là. Soyez prêts maintenant. Peut-être que c'est toi que Dieu va utiliser pour son action. Purifiez-vous. Ne regardez pas au prédicateur. Ne regardez pas au pasteur. Regardez à Dieu. Dieu va utiliser qui il veut pour son action à lui. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, nous disons encore merci au Seigneur parce qu'il nous a confirmé. Il n'y a pas de doute possible. Dieu a montré que nous sommes dans sa volonté. Donc ne vous plaignez pas, ne vous inquiétez pas. S'il y a des gens qui parlent, laissez-les parler. Mais le Dieu du ciel a montré sa volonté. Il est avec tout le monde. Mais il a aussi confirmé qu'il est avec nous. Alléluia! Amen. Je ne sais pas si le pasteur Alpha est déjà là. Alpha. Oui. Où est-ce qu'il est? Ah, pasteur Alpha, viens ici. Viens saluer l'église. Le pasteur Alpha, il reste en Angleterre. Mokengeli Alpha afandaka na Angleterre. Il est le pasteur des frères qui s'occupent des Gospel Cross. Azali Mokengeli ya batoyo batalaka makambo ya Gospel Cross. Et c'est grâce au Gospel Cross que le monde entier nous écoute. Ezali nanzela ya Gospel Cross nde mokili mobimba bazali koyoka biso. Et nous remercions ce groupe de Gospel Cross. Peto daliko tonda lipinga wana ya Gospel Cross. À travers leur pasteur qui est ici. Nanzela ya mokengeli na bango zalia. Ils font un très grand travail. Bazo sala mosala moko ya munene. Comme je vous l'avais dit l'autre fois. Loko na ebisa kino mbala mususu. Plus de 5000 personnes connectées. Koleka bato koto mitano bazali kolanda biso.
Mais c'est grave. Et même maintenant que je parle, ils sont là en train de nous écouter. Mais bien aimé qui est loin d'ici dans l'auditoire invisible, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons un des membres de l'auditoire invisible dans l'auditoire visible. Et nous lui donnons la parole pour qu'il puisse vous saluer aussi. Que Dieu vous bénisse. Nzambe ya pambola bino. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino ba sombote na komene su Christo. Bon, malheureusement, je suis arrivé en retard. Na moi na e penda sima. Je suis allé à Maman Mobutu. Na kenaki na Maman Mobutu. Parce que moi, je pensais que la salle comme c'est Maman Marie-Antoinette. Nga na kanisa ke lokwa babi komo Maman Antoinette. Alors, j'étais obligé d'appeler le pasteur. Il m'a dit non, c'est au 13e rue. C'est un homme que nous apprécions beaucoup. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je ne dis pas ça pour lui flatter. Si je suis ici, parce que je l'aime beaucoup. Donc, Omar, que Dieu vous bénisse. Soutenez-lui. Surtout priez pour lui. Et je pense que Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Tu voyages le jeudi, non? Oui, le pasteur Alpha va voyager le jeudi. Et je lui ai demandé de venir nous exhorter le mardi. Donc le mardi, le pasteur Alpha va prêcher ici. Venez nombreux pour l'écouter. C'est un grand serviteur de Dieu. Nous avons déjà écouté ses prédications. Et nous en avons été bénis. Et je crois que vous serez aussi bénis. Je crois qu'il peut y avoir une place là-bas parmi les serviteurs de Dieu qui sont là. Bon, vous lui amenez son sac ici. Amen. Amen. Alors, maintenant nous allons parler un peu. Nous allons nous lever pour manger quelque chose. Est-ce qu'il y a les bien-aimés qui sont venus ici pour la première fois? Si vous êtes là, levez les mains. Oh, ils sont nombreux. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, merci Seigneur. Nous allons maintenant prier avant de lire la parole. Je l'aime. C'est qui m'aime le premier, le premier à qui mon sang. Alléluia, gloire à Jésus. Bénis ton peuple qui est venu nombreux.
pour t'écouter, Seigneur. Bona koyoka yokolo. Ils ne sont pas venus pour écouter un homme. Baye koyoka motote. Car l'homme n'a rien à leur donner, Seigneur. Pointe motoazane lokote ya kopesa bande konaye. Descends, Seigneur. Kitan kolo. Ôte l'homme sur le chemin. Longola motonanzela. Et parle à tes enfants. Pe lobela bana nayo. Seigneur. Kolo. Dispose le cœur de chacun. Bongisa motema na moko moko. Pour ceux qui sont ici. Bona bo bazali awa. Et ceux qui sont sur les ondes. Bebo bazako landa biso na mipepe. Seigneur, accorde à chacun. Kolo pesa na moko na moko. Un cœur disposé. Motema e bongisa. Pour t'écouter, Seigneur. Bona koyoka yo kolo. Et pour te recevoir. Pe bona koyamba yo. Et pour te vivre. Pe bona kobikela yo. Oh, merci Seigneur Jésus. Matondi kolo Yesu. Bénis la parole que nous allons lire, Seigneur. Pambola lilobo to liko tanga. Descends, Seigneur notre Dieu. Kita kolonza benabiso. Ne regarde pas ce que moi j'ai préparé. Kotala na oyo ngana bongisite. Comme si j'ai préparé quelque chose. Lokola ete na bongisiso ke. Mais nous voulons entendre ce que toi tu as préparé. Kasi tolingi to yuka oyo bongisi. Oh merci Seigneur Jésus. Oh matondi kolo Yesu. Sois béni, sois loué à jamais. Pambola Seigneur. Makumi sama. Glorifie ton nom. Kumisa kombo na yo. Bénis ton peuple. Pambola libota na yo. Déverse toi au milieu de nous, Seigneur. Sopa katikati na biso kolo. Merci Jésus. Matondi kolo. Oh, nous comptons sur toi, Seigneur. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tel que nous sommes debout, nous allons lire les Écritures saintes. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Matai mokapo ya minei. Nous lisons à partir du verset 1. Toko banda na moko jusqu'au verset 11. Kino na zomi na moko. Et après nous lirons dans Apocalypse. Nasima toko tanga na imoniseli. Chapitre 3. Mokapo ya misato. Verset 21 à 22. Nous commençons avec Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vers auprès de Jésus et le servaient. Allons dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Emoniseli mokapo ya misato.
verset 21 à 22. Celui qui vaincra, Oya Kolonga, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Nakofandi saelongo moko nangai na kiti na bokonzi nangai. Comme moi j'ai vaincu, Lokola ngai na longi, et me suis assis avec mon père sur son trône. Nafandi ngai elongo moko na tata nangai na kiti na bokonzi na ye. Dans la tradition que Frère Bana me disait, na kolimbolo musakola lobaki, il est écrit dans mon trône. E komami na kiti na bokonzi nangai. Kati. Oui, il traduit cela que cela signifie dans mon domaine. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez vous asseoir. J'ai prié le Seigneur s'il peut m'accorder de lire simplement. Ce serait bien. Parce que nous sommes venus ici pour écouter le prophète nous parler. C'est pourquoi je vous ai dit ici depuis les premiers jours que nous n'avons pas une doctrine autre ici. Si ce n'est que la doctrine de Frère Branham. Je ne suis pas un leader d'opinion. Nazali moto ya bandisaka makanisi moko boete. Non, quelque chose qui suis entré où je suis le responsable, je suis leader. Toli kama moko na bandisi ngai na mo bandisi na yango. Non. Te. Je n'ai pas une doctrine, quelque chose que je défends. Nazana marakisi moko boete nazali ko bundela yango. Pour que les gens puissent me suivre. Boete batobala na ngai. Non. Te. Ici, Awa, nous sommes en train de nous interpeller pour que nous puissions retourner tous au message prêché par Frère Branham. Tout prédicateur a ce droit-là d'interpeller les gens qu'ils reviennent au message. Tout le monde. Nous devons nous interpeller pour que nous venions au message. Parce que ce que nous prêchons maintenant ou ce que nous avons prêché jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas le message. Pourquoi j'ai dit cela? C'était le message plus nos pensées. Parce que si nous prêchons le message, nous ne pouvons pas nous diviser. Nous ne pouvons pas briser la communion. Le message n'est pas venu pour nous amener à briser la communion les uns les autres. Ce qui nous a amené à briser la communion, ce sont nos sentiments, nos opinions, nos compréhensions personnelles. Donc ce n'était pas le message. Quand nous mélangeons la parole de Dieu avec quelque chose qui n'est pas la parole, ça devient le potage. Ce n'est pas le message. C'est pourquoi Dieu a mis sur notre cœur d'interpeller les gens, de nous interpeller, et que c'est lui à qui Dieu donne cette révélation, qu'il se mette aussi dans son église et qu'il interpelle les gens. Même si vous avez commencé il y a 30 ans, mais vous n'avez pas la suite de briser la communion avec les autres, commencez à interpeller maintenant. Vous commencez par vous-même, vous interpellez et vous commencez à interpeller les autres. Nous n'avons pas cru au message pour que la parole puisse combattre les dons. Non.
Oh, les gens qui disent seulement les dons, les dons, les dons. Oh, monsieur, ça les gars va cabo, va cabo, va cabo. Qu'est-ce que vous prêchez? Et là, on est bien au théâtre. Oh, les gens qui disent seulement la parole, la parole. Nous ne voulons pas de ces messages-là. Le message, c'est la parole de Dieu qui nous a été révélée. On ne peut pas prendre la parole, la faire combattre la parole. Le don a sa place. La révélation a sa place. L'inspiration a sa place. Chaque mot dans la parole a sa place. Mais nous avons prêché le message où quelqu'un se mettait dehors de la chair. Quelqu'un se mettait dehors de la chair. Et il prêche. Nous voulons seulement la parole. C'est seulement la parole. C'est la parole. Pas les dons. Pas les miracles. Frère Banam n'a pas prêché comme ça. Frère Banam n'a pas prêché comme ça. Paul n'a pas prêché comme ça. Nous ne voulons pas les gens. Oh, parole. Frère Banam n'a pas prêché comme ça. Paul n'a pas prêché comme ça. Mais pourquoi toi tu prêches comme ça? Répands-toi. Reviens au message. Prêche le message. Dans son entièreté. C'est lui qui veut avoir les dons. Il aura les dons. C'est lui qui veut recevoir la révélation de la parole. Il prêchera la parole. Les dons, c'est Dieu qui les donne. La révélation, c'est Dieu qui donne ça. Et Dieu donne les dons comme il veut. Il n'y a aucune église qui n'a pas de dons. Même s'il y a un don de prophétie qui ne se manifeste pas. Mais dis-moi, il y a un don de la parole qui prêche la parole. Alléluia. Amen. Prêcher la parole, c'est un don. Donc dans chaque église, il y a des dons. Oh frère. Et il n'y a pas d'église où quand ils arrivent, c'est seulement les deux qui commencent à parler. Ils prêchent la parole. Oh, frères et sœurs, revenons au message. Frère Branham a prêché la prédication « Comment puis-je vaincre ?» Et nous voulons l'exploiter. Et parler ce matin ou cet après-midi, pardon, sur les trois assauts du diable. Je vous l'avais dit le vendredi que Frère Banam en a parlé dans Comment puis-je vaincre? Et aussi dans la prédication le temps de la moisson. Et je vais entrer là-dedans. Je ne prêche pas sur comment puis-je vaincre. Je ne prêche pas sur le temps de la moisson. Je vais seulement mettre l'accent sur les trois assauts du diable. Mais comme au cours de la semaine, beaucoup de gens ne viennent pas. Je suis obligé de revenir encore un tout petit peu en arrière pour parler de ce que nous avons vu le mardi et le vendredi. Le mardi, nous avons parlé de la trompette de jubilé. La trompette de jubilé est pour les gens qui sont dans l'esclavagisme. Cela ne concerne pas les gens qui sont libres. Les gens qui se sont vendus et qui n'ont pas eu le moyen de se libérer, incapable. Le diable vous a eu Satan a dans sa prison na na ye. Personne ne pouvait se libérer. Vous pouvez faire encore les efforts pour ne pas fumer, pour ne pas boire, mais personne ne pouvait faire des efforts pour ne pas mourir. Personne.
Nous étions incapables de posséder la porte de la mort. Et une fois vous êtes mort, incapable de ressusciter. Alors il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui devait venir payer le prix et vous faire sortir de la prison. Amen. Amen. Et cet homme-là devait être votre proche parent. Et qui devait être capable de vous libérer. Et nous avons vu que Dieu avait parlé aux enfants d'Israël. Et quand un enfant d'Israël se vend, ou il a vendu son fils, s'il est incapable de le libérer, mais qu'il attende, il y a une année que Dieu a donné aux enfants d'Israël pour que même si vous êtes pauvre, vous n'avez rien, un riche vous a acheté, un jour vous serez libre. Les enfants d'Israël ne peuvent pas être esclaves à perpétuité. Dieu a prévu un jour, et quand ce jour-là arrive, un sacrificateur, il prend la trompette, il sonne la trompette, et vous qui êtes esclaves, quand vous entendez la trompette, là où vous êtes, vous laissez votre bêche, vous laissez la machette, vous n'allez même pas dire au revoir à votre maître, vous partez là où vous êtes et vous rentrez dans votre maison. Vous êtes libre. Vous êtes libéré de la prison, de l'esclavagisme. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait voir que ce message est une trompette de jubilé. Pour que tous ceux qui étaient esclaves dans les dénominations, qu'ils sortent. Sortez Bima. Pour aller où? Mais pour aller chez vous. Chez vous c'est où? Et pas na yo, dans la parole de Dieu. Sortez de l'esclavagisme. Bima na bombo. Et rentrez dans la parole. Pezonga na liloba. Ne soyez esclave de personne. Ne soyez lié à personne. Soyez lié à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous libère. Oh frères et sœurs, Dieu vous dit que vous êtes libre. Que personne ne vous dise que vous êtes esclave. Ne soyez même pas esclave d'une église. Ne soyez pas esclave d'une église. Oh, si vous n'êtes pas ici, vous ne serez pas sauvé. C'est quelqu'un qui va vous faire entrer dans la prison encore une fois. Vous êtes libre. Je vous l'avais dit la fois passée. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise ici, vous êtes libre de choisir une autre église. Vous n'êtes, il ne vous est pas interdit. Oh, gloire à Jésus-Christ. La chose que nous voulons, nous voulons te voir dans la parole. Ne sortez pas pour aller dans le monde. Restez dans la parole. Parce que Dieu vous a déjà libéré. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ainsi la trompette de jubilé a déjà sonné. Demeurez dans la parole. Entrez dans la parole. Même si vous êtes dans une église. Entrez dans la parole. Entrez dans le corps de Christ. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et il se faut encore lier.
Il tremble devant les gens. Bazolenga liboso na bato. Mais si vous tremblez devant votre pasteur, soki ozolenga liboso na mokengeli, vous êtes esclave. Yoza mombo. Qu'est-ce qui est dans votre pasteur qui vous fait trembler? Eloko nini ezakati na mokengeli na yo elengisaka yo. Qu'est-ce qu'il y a là? Eloko nini? Toi tu as le Saint-Esprit. Yoza na moliyo mosantu. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas t'exprimer librement? Eloko nini ezosala ete ozozanga makoki akoloba na bosomi. Qu'est-ce qui ne va pas? Eloko nini? Ou qu'est-ce qui est en toi? Tope eloko nini ezakati na yo? Qui fait que tu trembles devant un prédicateur? Oh, ezosala ete yo lenga kaliboso na bate. Alors que Dieu t'a déjà libéré. Zokande nzambe asi akangola yo. Et il t'a même dit. Aloba na yo. Même moi le prophète. Atangai basako si tu me vois sortir. Soki omoni ngai kobima. De la parole. Na liloba. Viens me voir. Yaka komona ngai. Qui que tu sois. Lo ozala nani. Même si tu es concierge. Atoza concierge. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous tremblez? Oh, il va se fâcher. Alors, il n'est pas à sa place. Quel est ce père? Son enfant va lui demander quelque chose. Et le père va se fâcher. Ce n'est pas possible. Et quand il est le matin? Ayez le discernement. Mais bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous a libérés. Nous étions dans les dénominations. Les théologiens nous ont liés. Pour aller au ciel, il faut seulement être méthodiste. Pour aller au ciel, il faut être baptiste. Pour aller au ciel, il faut être catholique. Mais si aujourd'hui, dans le message de Frère Branham, quelqu'un vous dit que pour aller au ciel, il faut être dans notre église. Mais c'est le même esprit. Il n'y a pas de différence. Pour que ce n'est réalité. Oh, bien aimé frères et sœurs, vous n'allez pas lier Dieu à une citation de Frère Branham. Dieu est lié à toute la parole. Oh, mes bien aimés, soyez libres. Exprimez-vous librement. Loba na bosomi nyonso. Criez librement. Nganga na bosomi nyonso. Sentez-vous chez vous quand vous venez dans l'église. Mimona te ozali epai na yo tango na losambo. Quand vous allez devant le pasteur. Soko ozali bosona mokengeli. Sentez-vous libre. Mimona na bosomi. Que vous allez parler à votre frère. Et ozoro belande ko na yo. Ce n'est pas un monstre. Ezali na lima te. Non. Te. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous manger. Mais vous parlez à votre frère. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs. Vous serez responsable quand vous deviendrez esclave d'un homme. Vous serez responsable de votre vie. Votre sang tombera sur vous-même. Parce que je vous dis la vérité. Je ne vous cache pas la vérité. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Et nous sommes tous des enfants de Dieu. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui est au-dessus de l'autre. Il y a l'autorité sur les autres. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Mais chacun a sa fonction. Chacun a son travail. Et nous respectons le travail de chacun. Mais avoir une autorité sur quelqu'un d'autre. Ou sur votre frère, cela n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça, c'est autre chose. Ce n'est plus le message de Frère Branham. Frère Branham allait visiter les frères. Il arrive là-bas. Il les trouve en train de prier. Et il va s'asseoir sur l'escalier. En train d'attendre que les frères terminent. Lui, le prophète. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils se comportent comme les cadres dans l'université, dans les entreprises. La PDG.
Ils sont comme les cadres. Nous sommes les gens qu'on fouettait dans l'église des apôtres. Nous sommes les gens qu'on mettait en prison. Nous ne sommes pas des PDG. Ou des gens grands. Non. Pardonnez-moi mes bien-aimés frères et sœurs. Je dois vous dire la vérité. Parce que Paul, s'il était dans notre état ici, il ne serait pas comme nous aujourd'hui. Il était un homme simple. Romain me dit, il avait seulement un seul manteau. Et quand il a oublié le manteau, il a commencé à envoyer le message. Ramenez-moi le manteau que j'ai oublié là-bas. Il fait très froid ici. Oh, gloire à Jésus-Christ. Okay, alléluia. Amen. Mais bien aimé frère et soeur, ce n'est pas le problème des habits. Non. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. La trompette a sonné. Libérez-vous. Soyez affranchis. Si vous n'êtes pas affranchi, Dieu ne viendra pas vous utiliser. Parce que Dieu ne peut pas régner sur vous avec quelqu'un d'autre. Deux personnes qui vont régner sur toi. Et Dieu et quelqu'un d'autre. Donc, Dieu va fuir. Pour te laisser, pour quelqu'un d'autre règne sur toi. C'est ce qu'Israël a fait. Oh, nous voulons avoir un chef comme d'autres nations. Samuel a commencé à crier. Dieu a dit à Samuel, Samuel viens, va faire ce qu'il vous demande. Donne-leur un chef. Ce n'est pas toi qu'ils ont refusé. C'est moi qu'on a rejeté. Dieu ne peut pas régner sur Israël. Plus un autre chef. Frère, si c'est la parole de Dieu qui règne sur toi, la pensée de tout autre homme sur la terre n'a aucun pouvoir sur toi. Il ne peut pas régner sur toi. Parce que maintenant vous appartenez à la parole de Dieu. C'est pour cela que le message a été envoyé. C'est pour cela que la trompette a sonné. Sortez. Bima. Sortez. Bima. Ce qui est encore grave. Il y a même des pasteurs qui sont esclaves des autres pasteurs. C'est encore grave. Mais bien aimé, sortez de là. Tu es un pasteur au même titre que celui qui a 5000 personnes. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Libérez-vous. Mikangola. Même si c'est passé là, vous achetez des habits. Il est pasteur. Il vous a acheté des habits parce que vous n'en avez pas. Dieu lui a demandé de le faire. Mais ne soyez pas son esclave. Vous voyez que la parole de Dieu dit ceci. Et lui est en train de faire le contraire. Vous êtes incapable de lui dire ça. C'est très grave. Oh frère. C'est pourquoi je vous avais dit ici. Si vous me voyez sortir de la parole. Frère, courez. Même si toute l'église peut venir. Ndeko pakata mbangu atalo samo mobimba boya. Venez vite. Boya noki. Je suis en train de mourir. Pointe nazo kufa. Venez me sauver. Boya kobiki sangai. Alléluia. Amen. N'ayez pas honte de moi. Koyoka soni pona ngai te. Non. Te. C'est votre responsabilité. Ezali mokumba na yo. Oh gloire à Jésus-Christ. Oh que mon Jésus Christ. Oh, le message de Frère Branham est bon. Oh, Sangrande Branham est à Kitoko. Il est venu nous libérer. Et dès lors, où je ne peux pas me sentir frustré devant un homme. Nakoki kolenga liboso na motote. Qui est-il cet homme-là? Moto ango azanani. Qu'est-ce qu'il possède? Azanani.
Donc je dois être libre. Et Seigneur, nous allons bosser. Aller jusqu'à sentir cette liberté là. Ce n'est pas une injure. Non, c'est une liberté que vous avez reçue par le Saint-Esprit. Vous respectez un homme. Vous respectez le travail qu'il fait. Mais vous ne tremblez pas devant lui. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés. Et nous avons vu aussi le vendredi. Nous avons lu quelques citations de Frère Branham. Où il nous montrait pourquoi il a été amené à choisir ce sujet. Comment puis-je vaincre? Je vais lire quelques citations. Et après, nous allons passer pour voir le sujet d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Frère Branham. Et nous aimons le prophète. Parce qu'il n'a pas exprimé ses propres pensées. Mais il a exprimé les pensées de Dieu. Je suis dans cette prédication. Pourquoi? Et comment puis-je vaincre? Suivez bien, je vais seulement lire les citations. Parce que nous voulons gagner du temps. Je suis au paragraphe 33. Frère Branham dit ceci. J'ai choisi ce sujet parce que nous vivons un temps où nous ne devrions jamais laisser s'éteindre l'esprit de réveil. C'est ce que nous avons écouté ici. Amenez ce réveil dans vos maisons. Partout où vous êtes. Au travail. À l'école. Au marché. Ne parlez pas de n'importe quoi. C'est le temps de parler de Jésus-Christ. C'est le temps de parler du retour de Jésus. C'est le temps de parler de l'enlèvement de l'église. C'est le temps de parler du message du temps de la fin. C'est ça le réveil. Restez dans cet esprit-là. Dieu vous soutiendra. Nous devons rester dans cet esprit et le vivre constamment. Chaque jour. Paul disait qu'il devait mourir chaque jour afin que Christ puisse vivre. Et nous ne devons jamais laisser ce réveil mourir en nous. Jamais. Dieu nous a dit ça. Croyons à ça. Acceptons ça. Accepte ça en tant qu'individu. En tout cas, ce réveil qui est en moi, je ne vais pas le laisser mourir. Oh, merci Seigneur Jésus. Au paragraphe 35, il dit ceci. Et nous sommes ici pour nous examiner, pour voir quels sont nos défauts. Nous ne venons pas à l'église pour voir nos qualités. Non, si vous voulez voir vos qualités, restez à la maison. Ici, awa, la Bible dit que c'est une maison de correction. Nous venons ici pour nous examiner à travers la parole. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Quels sont les défauts qui persistent encore en moi afin que je puisse mourir à ces défauts-là? Et nous sommes ici pour nous examiner, pour voir quels sont les défauts, nos insuffisances, pour avancer de l'état où nous sommes jusqu'à l'état dans lequel nous devrions être. Je ne sais pas si tout le monde est ici. Il sait
ce que nous devrions être. Ayembi oyo biso to sengeli kozala. Ou toi, ce que tu devrais être. Tope oyo yo okokaki kozala. Je ne sais pas si tu le sais. Naembi te soko yebi yango. Parce que tu ne peux pas travailler sans un but que tu poursuis. Qu'est-ce que tu voudrais être? Qu'est-ce que tu devrais être? Que tu n'es pas. Alors maintenant, tu dois travailler. Tu dois t'examiner chaque jour. Comme nous en avons vu ici. Nous devons marcher de gloire en gloire. De progrès en progrès. Un chrétien, mon Christ, un vrai chrétien, mon Christ, solo, doit faire des progrès dans sa vie spirituelle. Tu ne peux pas rester la même personne chaque jour. Et quand tu fais les progrès, tu dois être capable de voir ça. Hier, j'étais comme ceci. Mais aujourd'hui, je ne suis pas comme hier. Un vrai chrétien, il vit, vivre, c'est marcher de progrès en progrès. Vivre, c'est débarrasser des choses inutiles chaque jour de votre vie. Et vous voyez réellement, hier, j'étais égoïste, mais en tout cas aujourd'hui, on a fait ce qu'on devait faire. Mais je ne suis pas égoïste. L'esprit d'égoïsme est parti. Mais hier, je l'avais. Donc, vous devez expérimenter la parole de Dieu. Voilà un chrétien qui vit. Voilà un chrétien qui veut être comme Christ. Il doit savoir ce qu'il était et ce qu'il est maintenant et ce qu'il devrait être. Avoir cela comme un tableau devant toi. Je suis ce tableau-là. Je veux être, je veux devenir ça. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui construit une maison. Les maisons modernes que nous avons ici. Il y a d'abord un architecte qui fait le schéma, qui fait le plan, et il vous présente la maquette. Quand vous regardez ça, vous voyez ce que sera la maison. Ce sera comme ça, avec toutes ces couleurs. Et oui, mais sur le terrain, il n'y a encore rien. On commence maintenant à creuser la fondation. Vous avez cette maison-là. On met la fondation. On élève les murs. Tu es en train de regarder. La maison est en train de progresser. Pour devenir ce qu'elle devait être. Oh, gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et quand la maison est terminée, vous prenez le plan, vous regardez la maison, c'est exact. La maison est terminée. Toi aussi, le travail que Dieu a commencé en toi. La Bible dit, Dieu doit l'amener à la perfection. Mais tu es toujours la même personne. Depuis hier. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, la même personne. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu nous a dit, nous venons ici pour nous examiner. Qu'est-ce que j'ai encore en moi jusqu'à aujourd'hui que j'avais au mois de janvier? Comme ça, je veux mourir à cela. Je veux me débarrasser de ça. Oh, bien-aimé. Oh, balingami. C'est l'objet de notre étude. Les pasteurs étudient cela pour les rassembler. Quand ils voient de quoi les gens manquent,
Il commence à traiter ce sujet. Au paragraphe 43. Ainsi donc, si nous essayons de suivre le message de l'heure, ou tout au moins cette partie du message, nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ. Parce que si vous ne le faites pas, vous restez dehors. Et si vous savez ce que vous devez faire, et que vous ne le faites pas, la Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Et vous pourrissez quand vous vous séparez de la vie de Dieu. Oh, frères et sœurs. Je vais au paragraphe 63. Que Dieu nous aide. Il dit ceci. Quel temps glorieux nous vivons. Oh, Église. Oh, Lingomba. Comme nous devrions nous examiner. Nous parlons maintenant de ces choses à venir. De ces choses qui sont sur le point d'arriver. Aujourd'hui, arrêtons-nous. Arrêtons-nous. Faisons le point. Total. Et voyons si nous sommes en ordre avec notre foi. Nous pouvons parler des choses qui viendront. Nous irons au ciel. Ou dans le millénium. Il y a même les gens qui se disputent, qui se divisent, qui se haïssent à cause du millénium. Vous n'avez jamais été dans le millénium. Nous allons dans le millénium. Vous disputez ici. D'une chose qui va s'accomplir. William Branham nous a dit. L'interprétation d'une parole de Dieu, c'est son accomplissement. Une parole prophétique, la meilleure compréhension de cette parole, c'est quand cette parole s'accomplit. Arrêtez-vous de vous disputer sur le millénium. Le millénium, c'est une parole prophétique. Millénium viendra quand nous serons enlevés et que nous allons passer 3 ans et demi de fête. C'est alors que viendra le millénium. Mais quel est votre problème aujourd'hui? Vous haïssez votre frère à cause du millénium. Oh, frères et sœurs, il y en a même qui se déchirent à cause de la résurrection. Est-ce que toi tu es mort? Ce sont les morts qui vont écouter la voix de l'archange. Mais laissez les morts entendre cette voix-là. Vous qui êtes vivant, quel est votre problème? Pour savoir oh, comment ils vont écouter ça. Mais la voix d'Arcane, c'est quoi? C'est votre problème? Si vous voulez en discuter, mourez alors. Koufa. Nous allons vous assévenir. Alléluia! Sinon, laissez-nous tranquilles. Laissez les choses qui vont venir. Laissez-les tranquilles. Occupons-nous les choses qui sont de ce côté ici. Que nous devons faire pour aller à ce côté-là. Je parle aux connaisseurs du message, aux théologiens du message. Si vous ne comprenez pas une chose, sur la parole prophétique, laissez ça tranquille. Ne cherchez pas à vous disputer là-dessus. Parce que nous comprendrons cela quand nous serons de l'autre côté.
Oh, Élie et Moïse. Oh, Élie et Moïse. Est-ce que c'est vraiment Élie et Moïse? Oh, Élie et Moïse. Ou ce sont les autres, ce sont les autres hommes? Oh, et vous allez Élie et Moïse et solo autre Zabatoum Soussou. Que vous croyez que c'est Élie et Moïse réellement? Que ce soit d'autres personnes. Mais nous, nous serons déjà partis. Quand ils viendront, ce n'est pas notre problème. Nous, nous disputons sur des choses qui ne sont pas à discuter. Et nous, nous séparons à cause de ça. Est-ce que toi, tu es Israël? Tu es juif? Mais laissez les juifs te disputer là-bas. Mais qui va venir? Oh. Qui va venir? Est-ce Élie? Elia. Ou c'est Moïse? Tope, Moïse. Toi, contacte toi de Branham, contacte. Voyez. On t'a envoyé Élie le prophète. C'est William Branham. William Branham. Écoutez ce qu'il vous dit. Yoko, so et préparez-vous. Vous n'allez pas vous préparer au message d'Élie et Moïse. Yoko, na sango na moto oh, prédicateur. Oh, Motei. Revenez au message. Zonga na sango. Si vous comprenez. So gloire à Dieu. Si vous ne comprenez pas, laissez ça tranquille. C'est une prophétie. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Au paragraphe 69, il est dit ceci. Frère Branham, comment saurais-je que je suis dedans? Observez la vie que vous vivez. Regardez autour de vous. Voyez si cette vie agit en vous automatiquement. Sœur, tu m'as posé la question ce matin. Une sœur. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Ce n'est pas moi. C'est le prophète. Je reprends. Regardez autour de vous. Voyez si cette vie agit en vous automatiquement. Ou alors, si vous devez tirer. Pousser, faire des efforts. Dans ce cas, vous agissez par vous-même. Quand vous essayez de faire les efforts pour être calme, pour être doux, pour être patient, donc vous faites les efforts de vous-même. Mais Dieu veut que cette vie de Christ puisse couler librement. Automatiquement. Vous ne réfléchissez même pas. Vous ne raisonnez même pas. Ça devient votre vie. Comme Christ vivait. Christ ne raisonnait pas. Quand on l'appelait Belzéboul, il ne raisonnait pas pour se fâcher. Oh non, je vais me fâcher. Non. Car si je me fâche, on verra que je ne suis pas serviteur de Dieu. Oh, on a Sirika. Non, il ne raisonnait pas comme ça. Cela ne lui venait même pas dans son esprit. Et il y a qui peut atteindre ma canicinaïté. Pourquoi? Parce que cette vie était en lui. Et elle devait se manifester automatiquement. Et il doit en être ainsi en vous et en moi. Sinon, ne vous trompez pas, frère. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une plaisanterie. Au paragraphe 72, il dit ceci. Ce que vous devez vaincre, c'est vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Laissez les autres tranquilles. Oh, il n'agit pas bien. Oh, il ne fait pas comme un chrétien. Aujourd'hui, laissez ça. Et regardez à vous-même. Vous allez vous vaincre vous-même. Est-ce que vous agissez comme chrétien? Est-ce que vous vivez la vie de Christ? Examinez-vous vous-même. Pourquoi vous regardez quelqu'un d'autre? Comme si vous pouvez sauver quelqu'un. Commencez à regarder à vous-même. Quand vous êtes en ordre, quand,
avec votre foi na kondima na yo, à la parole de Dieu na liloba na Nzambe, alors na tango wana, vous saurez aider l'autre. Okoyeba kosunga moto mosusu. Et à ce moment-là, vous n'allez pas vous plaindre. Vous prierez d'abord pour lui. Et vous demanderez à Dieu, est-ce que je peux aller le voir? Si Dieu vous permet d'aller le voir, alors vous irez le voir pour parler avec lui. Sinon, vous restez tranquille. Parce qu'il y a un Dieu qui s'occupe de chacun de nous. Vous pensez que Dieu ne s'occupe pas de votre sœur? Non, Dieu s'occupe de nous. Vous pensez que Dieu ne s'occupe pas de celui-là? Non, Dieu s'occupe de lui. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. Et Dieu a dit, ce que lui appelle, il prendra soin d'eux. Oh, frères et sœurs, agissons comme des chrétiens. Soyons des modèles. Partout où nous sommes. Qu'on nous reconnaisse pour des chrétiens. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Et au Proverbe 105, il dit ceci. Vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses attaques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les attaques du diable. Les attaques principales du diable. C'est ce que nous appelons les assauts du diable. Beaucoup de gens disent que le diable n'existe pas. Que ce n'est qu'une pensée. Ne croyez pas cela. Oh, d'ailleurs, moi je ne crois pas que le diable existe. Alors tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est qu'il a un ennemi qui le combat chaque jour. Et cet ennemi-là, c'est le diable. Laissez les incrédules croire que le diable n'existe pas. Mais toi, enfant de Dieu, ton père te dit, le diable existe. Parce que lui-même, ton père, il parle avec le diable. Il parle avec lui. Il lui pose des questions. Et il appelle toi. D'où viens-tu? Vous pensez que Dieu ne sait pas d'où le diable venait? Mais Dieu connaît toutes choses. Mais il lui a posé la question, d'où viens-tu? Il voulait que lui-même parle. Et le diable lui a dit, tu sais que c'est moi qui suis le chef, le roi de ce monde ici. C'est moi qui règne d'ailleurs. Dieu lui a posé la question. Je sais que tu règnes. Mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Job représentait le royaume de Dieu. Il était le règne de Dieu. Parce que le diable ne pouvait pas régner sur lui. Il était dans le royaume de Satan. Mais il constituait sur le royaume à lui. Et le diable lui a dit, c'est parce que tu l'as béni, tu lui as donné tout, c'est pourquoi il te loue. Mais tout le monde m'adore, moi. Il n'y a que Job. Parce que tu lui as donné beaucoup de biens. Plus que tout le monde sur la terre. Il est très riche. Il est sage. Lui seul. C'est pourquoi il t'adore. Mais permets-moi d'aller le toucher. Tu verras comment il va te maudire. Dieu a ri un peu. C'est ce que je m'imagine. Il pourrait se dire, mais Satan, tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Satan, un élu
Moponami. Que j'ai prédestiné avant la fondation du monde. Oyo na bongisa liboso to mokileza lisama. Il ne peut pas me maudire en face. Quelle que soit la circonstance. Quelle que soit la situation. Même si on les met dans le feu. Même si on les met dans une fosse au lion. Même si on oppose une armée contre lui. Il espérera toujours en moi. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et le diable a insisté. Satan a permets-moi seulement. Frères et sœurs, cela ne vous dit rien. Cela signifie que le diable ne peut pas vous toucher si Dieu ne le permet pas. Il doit d'abord aller demander l'autorisation à Dieu. Est-ce que je peux le toucher? Si Dieu dit non, ah, il va partir. Avant il va partir. Ah, okay, il reviendra encore. Ah, mais permets-moi de le toucher. Il prie trop. Il prie trop. Il t'adore à tout moment. Je vais le toucher un peu. Je ne te permets pas. Ouais, frère. Si le diable te touche, c'est que mon père l'a permis. Et alors, à ce moment-là, vous qui avez de la connaissance, commencez à glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Commencez à glorifier Dieu. Que Dieu me connaît. Dieu m'aime. C'est pourquoi il a permis à Satan de venir me toucher. Nous sommes en train de parler des trois assauts du diable. Nous allons les prendre selon que le prophète en a parlé. Ce qu'il a dit dans Comment puis-je vaincre? Oui, alors bien, on a comment puis-je vaincre? Et ce qu'il a dit dans le temps de la moisson. S'il vous plaît, ce n'est pas contre vous. Si on parle des ministères, ce n'est pas contre vous. Si on parle des dons, ce n'est pas contre vous. Nous parlons de la parole de Dieu. Mais vous, Cassio, mais ajustez-vous dans la parole. Mais ça là, si c'est ce que vous faites, la parole condamne ça. Mais acceptez. Oh, alléluia. Amen. Ne dites pas pourquoi il a dit ça. Que ce n'est pas contre moi qu'il dit. Donc nous allons maintenant effacer ça. Dans le message de Frère Branham. Parce que toi tu as un ministère. Nous allons effacer ça. Parce que toi tu as un don. On va effacer ça. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises, ils ont déjà effacé beaucoup de citations de Facebook. Ils sont incapables de lire certaines citations dans leurs églises. Alléluia. Amen. Frère, ne faites jamais ça. La bongo te. Et nous ne ferons pas cela ici. Frère prédicateur, Mote si vous êtes aligné ici, so ki batio awa, et que quelque chose, pe loko mako, ou une citation, so eteni mako elikomi, parle d'un pasteur stupide. E zolo bapona tina na mokenga li mako lokoso. Parle du pasteur stupide. Le la mokenga li lokoso. Alléluia. Amen. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Pour croire que non, le pasteur qui est ici, il va croire qu'on parle de moi. Oh, non, 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 non. C'est la parole de Dieu. Prêchez la parole. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas de ces églises-là. C'est périmé. Et c'est Kenda et Koufa. Oh, mais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ce qu'il a dit là. Oh, pasteur. Oh, mokenge. Est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Est-ce
tu vois pas que c'est contre toi qui monite, ce message là est périmé. Sangowana et silangala. Alléluia. Amen. Nous ne prêchons pas ce message là. Et nous ne voulons pas vivre ce message là. Nous voulons vivre le message que Branham a prêché. Alléluia. Amen. Lui-même, il était pasteur. Quand quelque chose était contre le pasteur, il a parlé librement. Neville était là. Neville. Pasteur. Quand il s'agissait de quelque chose qui concernait le pasteur, il en parlait. Oh, gloire à Jésus. Frère, Bandeko. Nous ne voulons pas un Dieu congolais. Ou un Dieu africain. Non. Nous voulons le Dieu de la Bible. Oh, gloire à Jésus. Même quand leur roi a commis adultère, ils ont publié cela. David a commis adultère. Et nous avons cela dans la Bible. Tout le monde lit ça. David a commis adultère. David a commis adultère. David a commis adultère. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, un jour, Moko. David a trouvé grâce devant David Dieu. Et Dieu lui a pardonné. Alléluia. Amen. Quand le péché est pardonné, mais il est pardonné. Mais Dieu m'a déjà pardonné. Toi, tu me vois toujours adultère. Alors, on ne comprend plus rien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quand le péché est confessé et que Dieu a agréé ma confession, il jette le péché dans la mer d'oubli de Dieu. Toi, yo, ne le fais pas revenir à la surface. Oh frère et soeur, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je ne vous pousse pas à aller commettre le péché. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. C'est écrit dans la Bible. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère Branham dit, le diable Zabulu peut nous tenter de plusieurs manières. Mais il y a trois manières principales qu'il utilise pour nous tenter. Il a fait avec Jésus-Christ dans la Bible, là où nous avons lu. Il dit à Jésus, si tu es un fils de Dieu, parle. Loba. Parce que Jésus avait faim. Je crois que vous avez déjà lu quelque part. Mon frère Branham dit que la faiblesse de Jésus, c'était la faim. Quand Jésus a faim, allons voir Marthe. Allons voir Marthe. Hein? Marthe. Marthe. Mais toi, tu n'as pas donné l'argent. J'amène beaucoup de gens comme ça pour qu'on prépare à manger pour vous. Et il amène les gens jusque chez Marthe. Et quand Marthe le voit, Marthe, il commence à préparer. Parce qu'il était l'ami de Lazare. Amen. Amen. Alors maintenant, Satan savait que Jésus avait une puissance. Et par cette puissance-là, il peut dire aux pierres, deviens pain. Allez, comme mama, je veux manger. Nalia. Il avait ce pouvoir-là. Azalaki na il avait la wana. Force, la puissance en Azalaki lui. Na bokonzi wana nguya wana katina ye. Et il devait utiliser ça pe esengela kina ya sale lengo, pas pour lui-même, pona ye mokote, mais pour les autres. Kasi pona bamosusu. Et il devait utiliser ça au temps de Dieu. Pas
pas sous la proposition de Satan. Satan non. Te. Il ne devait pas faire la volonté de Satan. Même si cette chose-là, c'est écrit qu'il peut faire ça. Et comment il y a que c'est la parole. Et tes aliloba. Vous devez le faire. Vous pouvez le faire. Mais si c'est Satan qui vous parle, ne le faites pas. Oh, gloire à Jésus-Christ. Parce que si Satan vous amène à faire sa volonté, c'est terminé. Vous mourrez. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Il a amené Ève à faire sa volonté, à considérer ce qu'il a dit, à faire attention au diable. Ne faites jamais attention au diable. Ne considérez même pas ce qu'il vous dit. Oh, gloire à Jésus. C'est ce que Jésus lui a dit. Au paragraphe 115. Vous pouvez noter ça. Il dit ceci. Dès la première attaque, il utilisa sa glorieuse puissance. Car il savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Voyez-vous cela? Bondimi, je suis le fils de l'homme. Nazali mwana moto. Il connaissait sa position. Et Satan, vint, essaya de lui faire utiliser sa propre puissance pour son propre usage. C'est-à-dire pour se nourrir. Il essaya de l'inciter à se nourrir lui-même. Mais quand il n'a pas réussi à le faire, les anges sont venus et ils ont commencé à le servir. C'est ce qui était la volonté de Dieu. Ce n'est pas que Jésus devait se préparer lui-même la nourriture et commencer à se nourrir. Mais le diable voulait lui faire ça parce qu'il savait qu'un jour Jésus multipliera le pain. Il savait qu'un jour Jésus changera l'eau en vin. Il avait cette puissance. Il pouvait le faire. Mais il devait le faire quand Dieu lui parle. Pas quand Satan lui parle. Oh frère. Oh, vous avez un don de guérison. Il y a un malade ici. Je veux vraiment voir si il peut guérir. Ce n'est pas Dieu qui vous parle. C'est Satan qui vous parle. N'allez pas prier. Oh, j'ai la puissance. Mais ne l'utilisez pas sous la proposition de Satan. Attendez-vous à Dieu. Quand vous sentirez l'onction, vous sentirez que Dieu vous permet de prier. Même si la personne est en train de mourir, je ne sais pas si on aura le temps de lire ça. On a appelé Frère Branham de l'Allemagne par une soeur. Son enfant était mort. Elle a appelé Frère Branham. Il dit ici, il y a un avion ici. Ah, avion Mokozali. Pour venir vous chercher. Pour na kwa kozwa yo. L'enfant est mort. Moi na kufa. Venez prier pour lui. Yako bonde la pona ye. Frère Branham a dit, Ndeko Branham lobi. Je vais d'abord demander la volonté de Dieu. Na lingena na tuna mokao na nzambe liboso. Il est allé prier. Akeko bonde la. Dieu ne lui a rien dit. Nzambe lobi ne lokote.
L'endemain matin, lobby na tongo, le téléphone continue à sonner. Téléphone est bandi ko benga lisusu. Venez vite, frère Bana. Ya kano kinde ko benga. Et la dame a dit au médecin. Pende ko wana lobby na monganga. La dame. Moi si on lobby na monganga. Mon enfant ici. Mwana na ngoyo. Ne peut pas aller dans la morgue. Ako kende na morgue te. William Branham viendra ici. William Branham akoya. Et il va ressusciter. Ako se kwa. Et le médecin a dit, si tu as une telle foi, que ton enfant reste là-bas. Nous vous laissons avec votre enfant. Deuxième jour, on demande à frère Branham, Dieu ne m'a rien dit. Frère, là-bas en Allemagne, tout le monde attendait. L'avion à réaction était là. Avion à réaction, tout le monde est mobilisé. William Branham, William Branham, c'est un grand prédicateur. Il a un don puissant. Azana, il viendra ici. Il va lancer le défi au diable. Et le jour suivant, frère Branham appelle madame, la dame. Madame, enterrez l'enfant. C'est la volonté de Dieu. Si cet enfant-là ne mourrait pas, c'est vous qui mourriez. Vous voyez, frère, s'attendre toujours à Dieu. Ne soyez pas pressés. Vous allez faire la volonté du diable. Je vous avais déjà raconté une histoire ici. Quand on a commencé, deux frères, quelqu'un est mort. Ils sont allés au deuil. Allez, sortez tous. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont commencé à prier sur le cadavre. Ils ont prié. Rien. Et quand ils ont vu qu'ils ont fait beaucoup de temps, bon, l'un d'eux est sorti. Patientez toujours. Et il sort. Il part, c'est pour toujours. L'autre fait la même chose. L'un d'eux est déjà mort. L'autre est vivant. S'il est ici, il est en train de m'attendre. Ne faites pas quelque chose par plaisir de le faire. Un autre, j'ai la foi. Je dois traverser le fleuve. Aller à Brazzaville. Il va jusqu'au bord du fleuve. Il était seul. Il essaie de mettre les... Ah, mais qui retient le colo à maï? Il essaie encore. Ah, mais qui les sous? Et il est rentré. À Zongi. C'est compliqué. Exactement comme ça. Il faut connaître la volonté de Dieu. La puissance que Dieu vous a donnée, ne l'utilisez pas pour votre gloire. Ne l'utilisez pas pour vous-même. Que cela soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs. Frère Bana me dit, la deuxième tentation, c'est la gloire personnelle. La gloire personnelle. Je vous donne un ministère. Il vous donne un don. Vous commencez à vous glorifier. Moïse. Il était un grand prophète. Azaraki mosakoli ya monene. Dieu lui dit, va parler au rocher. Nzambe alobine kende kolobela libanga. Et il fera sortir de l'eau. Eko bimisa mai. Lui, il vient. Yeah, yeah. Dieu a fait de grandes choses par ma main. Nzambe asala makamu minene nangai. Vous rebelles. Binoba tomboki.
C'est de ce rocher que je vous ferai sortir de l'eau. Comme si c'était son problème. Moïse, on t'a envoyé. Fais seulement ce qu'on t'a demandé de faire. La gloire personnelle. C'est surtout les prédicateurs. C'est surtout nous les prédicateurs. Lisons quelque chose. À la page 31. Paragraphe 129. Ensuite, Nasima. Il y eut les égaux à saut. Et il y a il faut que je me dépêche, le temps passe tellement vite. Même moi aussi, il faut que je me dépêche. L'assaut de la gloire personnelle. Combien de serviteurs de Dieu boni na basali na nzambe y succombe bakweiwana désirant montrer kolukaka kotalisa ce qu'ils savent faire oyo bango bakoki kosala. Gloire à Dieu. Okay, bon, alléluia. Alléluia. Je suis un libérateur. Nga, nazali mo, sikoli. Je suis quelqu'un de bien. Nazali mo, tue, malamu. Vous voyez omoni. Viens sur le haut du temple. Viens sur le haut du temple. Et saute. Il le tenta de faire cela. Rappelez-vous qu'il fut tenté de faire cela. C'est une chose difficile. Satan lui avait dit, si tu veux être quelqu'un devant le peuple, viens sur le temple. Et saute. Je vais te donner un passage des Écritures. À ce sujet. Il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ça ce que le diable a fait. La tentation de Jésus, il a amené au sommet du temple la gloire personnelle pour que les gens puissent me voir. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis grand. Comme ça, quand tu vas sauter, ton pied ne se heurte pas contre la pierre. Le peuple va applaudir. La gloire personnelle. Oh, serviteur de Dieu. Oh, mosali na nzambe. Éloignez-vous de ça. Kenda mosika na yango. Vous ne gagnerez rien. Okozwa eloko moko te. Aucun véritable serviteur mosali moko te ya solo de Dieu oh, ya nzambe ne fait cela. Asala ka yango. Si vous voyez quelqu'un se mettre en avant, ce que moni motomoko ayeli boso, bomber le torse, avimbisi tolo, et agir de cette manière, pe amande ko sala motindo wana, rappelez-vous, komi kundola, qu'il y a en lui, ete katikati na ye, quelque chose qui n'est pas juste. Et loko moko za sembote za wana. Dieu ne veut pas cela. Nzambe aligi yango te. Jésus nous a montré l'exemple. Yesu apesi biso ndakisa. Il aurait pu faire ces choses. C'est certain. Mais il ne l'a pas fait. Aucun serviteur de Dieu ne se met en avant lui-même en essayant de prendre la puissance de Dieu pour s'élever au-dessus des autres. Aucun véritable serviteur de Dieu. Quelle que soit la puissance que vous avez. Quelle que soit la manière dont Dieu vous utilise. Ne vous sentez jamais au-dessus des autres. C'est une tentation du diable. De la gloire personnelle. Éloignez-vous de cela. Si vous êtes serviteur de Dieu. Dieu vous a parlé aujourd'hui. Vous le saviez déjà. Mais aujourd'hui, Dieu vous le rappelle. Vous rappelez-vous l'occasion où Moïse
Fils est là. Dieu lui avait donné le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Il avait fait de lui un prophète. La deuxième fois, il frappe le rocher. C'est fait contraire à la volonté de Dieu. Dieu avait dit, parle au rocher. Mais ne le frappe pas une seconde fois. Sinon, tu détruiras l'harmonie des types de la parole. Le rocher ne doit être frappé qu'une seule fois. Mais Moïse, en faisant ainsi, proclama la faiblesse, l'insuffisance de la parole. Donc il montre que la parole est faible. Pour que l'eau sorte, il faut pas parler. Il faut seulement frapper. Qui êtes-vous? Quand Dieu a dit une chose, vous voulez faire une autre. Parce que vous êtes serviteur de Dieu. Mais Moïse, en faisant ainsi, proclama la faiblesse, l'insuffisance de la parole. Oui, la parole était ce qui comptait. Ces rochers, c'était la parole. Vous comprenez? Il frappa le rocher une première fois. Et les eaux jaillirent. Ensuite, le peuple eut de nouveau soif. Alors Dieu dit, retourne vers le rocher et parle-lui. Il n'avait été frappé qu'une fois. Vous voyez comment Moïse témoigna de l'insuffisance de la parole, de son inexactitude. Le rocher devait être frappé encore une fois. Alors Moïse frappa le rocher. Il dit, sors du rocher. L'eau ne jaillit point. Alors il le frappa de nouveau. Et disant, je t'ordonne de sortir. Et l'eau coula. Dieu dit, viens ici. Tu t'es glorifié toi-même. Tu as pris ma puissance. Au lieu de me sanctifier, tu t'es sanctifié toi-même. C'est pourquoi tu n'entreras pas dans le pays. Il a amené sur la montagne. Regarde le pays. Tu n'y entres pas. Parce que tu ne m'as pas glorifié. La gloire personnelle. Le deuxième assaut, c'est accomplir la parole de Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Le diable, il vous amène sur ce terrain-là. Et quelquefois, il vous donne la parole. Vous accomplissez bien la parole. Mais à partir de ça, il vous donne des mauvaises pensées. Vous devenez orgueilleux. Et pourtant, la chose que vous avez accomplie, c'est la parole de Dieu. Oh frère, que Dieu nous aide. Lisons quelque chose. Je suis à la page 133. Paragraphe. Non. Page 33. Pardon. Paragraphe 139. Il dit troisième grand assaut. Satan offrit de lui abandonner son propre royaume. Satan a. Satan dit, Satan alobi, vois-tu le royaume de la terre? Il m'appartient. Je fais de ce que je veux. Je te le donne.
Mais rappelez-vous ceci. Kasi bomi kundola. Satan essaya de lui faire acquérir. Satan alingi apesa ye yango. Sans payer le prix de la croix. Kozanga ete afuta talo ya ekulusu. Qu'est-ce qui viendrait après? Elako ni nga sansi. Parce qu'on lui a donné ça. Poete ba pesa yango. Il n'a pas payé le prix. A futi talo te. Or la parole exigeait un prix. Nzoka ndeli loba ezali kosenga talo. Mais Satan veut le dribbler. Kasi Satan alinga ki abungisa ye. Pour qu'il ne paye pas le prix. Poete ya futa talo te. Et qu'est-ce qu'il fera après? Elako ni na kosala sima. Il va encore réclamer ça. Akosenga bizongi selenge loko nangai. Parce qu'il n'avait pas payé le prix. Poete futa kite. Il n'avait pas accompli la parole de Dieu. Akoki seki loba nzambe te. Oh mes bien-aimés, oh, balinga minangai. Soyez sûrs Bomindimisa. Que ce que vous faites, Eto oyo zakosala, c'est ce que Dieu a dit. Yango nde nzambe alobi. Alors le diable Nabo ezabulu, n'aura pas le droit sur toi akosala na makokili kona de te réclamer la chose que tu as prise. Yakosenga yo eloko yozwi. Parce que tu l'as acquis Pwete osombi yango. Au prix du sang. Na talo ya makila. Si Dieu te dit aujourd'hui que tu es sauvé et que tu le crois à cause du sang de Jésus, non pas parce que tu as fait les œuvres, c'est fini. Le diable Zabulu ne saura pas vous arracher votre salut. Parce que pour le faire, il doit lui-même verser le sang. Or le diable est incapable de verser le sang. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas. Il est incapable de se faire chair pour donner le sang. Oh frères et sœurs. Et frère Branham me dit que le diable peut amener une sœur à faire pousser les cheveux. La chevelure devient longue. C'est la parole de Dieu. Les femmes doivent avoir de longs cheveux. Le même diable, il entre encore dans la sœur. Tu vois la chevelure. Celle-là n'a pas la chevelure comme toi. Et il l'amène à devenir orgueilleuse. À cause de la chevelure. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Mais le diable vous amène à être orgueilleuse. À cause de la parole que vous avez accomplie. Le diable est très rusé. Vous devez faire attention avec lui. C'est pourquoi, quelque chose ce que vous devez accomplir, soyez toujours humble. Habillez-vous de l'humilité. Vous savez, frère, je viens de faire un jeûne de 40 jours. Le jeûne est bon. C'est la parole de Dieu. Mais pourquoi elle a raconté ça? À cause du fait que tu as jeûné, tu trouves ta gloire là-dedans. Ah, moi, je peux jeûner. Moi, je peux jeûner 40 jours. Ça, c'est le diable. Ne faites rien dans la parole de Dieu. Et à partir de ça, vous trouvez votre compte. Oui. Vous trouvez quelque chose dans ça. Non. Accomplissez seulement la parole de Dieu. Tout simplement. C'est fini. Même si vous priez beaucoup, ce n'est pas un problème, un sujet de vous vanter devant les gens. Moi, je prie beaucoup. Ne le faites pas. Vous avez prié beaucoup parce que Dieu vous a poussé à prier beaucoup. C'est fini.
Si Dieu ne le fait pas, so, qui osali yango te? Vous êtes incapable de le faire. Osangi makoki yako sala. Et dans la prédication, le temps de la moisson. Pe na litea oyo tango na kobuka. Frère Bana me dit. Ndeko Brana malobi. La première tentation. Comme kama liboso. Que le diable fait sur les gens. Oh, Satan a sala kana bato. C'est les amener à mélanger la parole de Dieu. Avec quelque chose du monde. Oh, ça ne fait rien. Ça ne dit rien. Pour Dieu. Dès que vous prenez la parole avec quelque chose du monde, si petite qu'elle soit, Dieu vous rejette. Dieu ne veut pas le mélange. Il ne veut pas ça. Il veut que nous puissions marcher uniquement avec sa parole. Dans cette prédication, il dit ceci. Au paragraphe 211. Il dit, qu'est-ce? Il y a un tout petit peu de style du monde en vous. Essayez d'agir juste un tout petit peu comme d'autres églises. C'est exactement là où Israël a eu des troubles. Israël n'a pas rejeté Dieu. Israël a boka kinzambete. Il n'a pas dit, oh Dieu, ne voulons pas que toi tu sois roi. Non. Mais ils ont regardé les autres nations. Les bonnes choses qui sont là. Nous aussi, nous voulons être comme eux. Voilà ce qu'Israël a fait. Ève n'a pas dit que je ne connais pas Dieu. Je rejette la parole de Dieu. Non. Mais il a envié quelque chose du monde que le diable lui montrait. Et il a ajouté à la parole qu'il avait. Ève n'a pas rejeté la parole de Dieu. Mais Ève a ajouté quelque chose du diable, du monde, à la parole. C'est ce que le diable fait. S'il peut réussir à te faire prendre ne fût-ce qu'une petite chose du monde, l'ajouter à ta vie, le diable est vaincu. Oh, gloire à Jésus. C'est difficile. Mais c'est ça la parole de Dieu. Vous aurez des troubles quand vous le ferez. Et c'est là où ils sont morts. C'est là où Adam a eu du trouble. C'est là où tout le reste des hommes ont eu des troubles. Juste une parole. C'est tout ce que cela prend. Juste un point. Le potage. Mélanger avec le monde. Quelque chose de monde. Quelque chose de Hollywood. Quelque chose de l'église. Quelque chose de théologien. Et qu'est-ce que vous recevez? Vous êtes en train de prêcher. Milolo. Où est-ce que vous avez vu Branham faire ça? Dans quelle prédication? Parce que le monde fait ça. Quand les églises ont fait ça, vous aussi vous le faites. C'est bien. Vous prêchez. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Applaudissez le Seigneur. Encore quelques secondes. Quelques secondes. Applaudissez le Seigneur. Ça devient un style du monde. C'est ce que le monde fait. Allez dans toutes les églises. Et aujourd'hui, les gens du message ont pris ce style-là. J'ai
Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le dire. Mais quand ça devient un style de prêcher, Moukeboy, après lui c'est le Seigneur. Tu n'as encore rien dit. Après lui c'est le Seigneur. Ça devient un style du monde. Le diable vous a déjà eu. Vous avez les bandes au milieu de vous. Vous écoutez l'Esprit de Dieu prêcher la parole. Par son prophète. Combien de fois dans une prédication de Frère Branham, il a exprimé cela. Combien de fois? Où est-ce que vous avez pris ça? Si ce n'est pas des églises. Oh, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Oh, bande konanga. Que Dieu nous aide. Nzambe songa biso. Nous avons ajouté beaucoup de petites choses. To lokoti babiloko et nous avons acquis des dénominations. Oh, to sukuna na bibongise. Des pentecôtistes. Na pentecôtistes. Des églises de réveil. Des églises de réveil. Suivez les prophètes. Bolandande mosakoli. Le Saint-Esprit. Moli mama santu. Comment il prêche la parole? Ndengeni na te ekali loba. Prêchez comme lui. Bote alokola ye. Oh, gloire à Jésus. Okay, mon Jésus. Nous ne sommes pas là pour embellir la façon de prêcher. Non. Nous prêchons comme nous prêchons. Chacun a sa façon de prêcher. Mais quand ça devient dans une église, maintenant, il y a beaucoup d'églises. Chaque prédicateur qui monte, il ne manque jamais de dire ça. Ça devient un style de prédication. Ce n'est pas possible. Et quoi, vous savez le matin? Mais bien aimé. Balinga minangai. Je sais que c'est difficile. Naye bietezama ezapas. Mais nous devons le dire. Kase sengeli tolo bayango. Pour que chasser Satan puisse aller loin de nous. Pote to bengana Satan avec la musique na biso. Parce que lui il aime le mélange. Pote yalinga kako sangisa sangisa. Dès que vous mélangez quelque chose. Tango bakisinga ke loko sangisa. Le diable est là. Yeah, fandi wana. Et celui que vous adorez. Oh, bota ko sambela. Ce n'est pas Jésus-Christ. Mais c'est le diable que vous adorez. Comme Satan ande bako biko sambela. Dès que vous acceptez quelque chose. Tango bondimika ko somo loko moko. Le diable. Dans l'église, vous êtes en train d'adorer le diable. Je sais qu'il m'écoute. Il est en train de m'écouter. Le diable. Je suis en train d'avertir les enfants de Dieu pour qu'ils ne t'écoutent pas. Parce qu'ils doivent adorer Dieu. Ils ne peuvent pas t'adorer toi. Ils ont été appelés. Ils ont été appelés pour adorer Dieu, pas pour adorer Satan. Nous ne voulons pas de toi. Le deuxième assaut. Le deuxième assaut. Deuxième tentation. Il vous donne un don surnaturel. Ici, je vais lire. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, je vais lire. Je vais maintenant lire. Mes frères, nous avons tous des dons ici, non? Donc nous ne parlons pas de quelqu'un qui a un don. Toi aussi tu as un don. Moi aussi j'ai un don. Au paragraphe 212. Na paragraphe 212. Jusqu'au 215. Qui nous a 215. Remarquez. Botala. Si Satan échoue ici. Ce que Satan a koué awa. Il n'arrive pas à vous amener. À faire le mélange. Yako sangisa. Il essaie de vous tenter. Il n'a pas réussi. Mais qui a boté à kokite. Il vous donne un don surnaturel. Azuri kabomoko ya molimo apesi. Il y a des dons qui viennent de Satan. Ezere bakabomusu zauta na Satan. Il vous donne un don. Apesi likabo. Alors il va essayer son second plan sur vous. Vous amenez à désobéir la parole. Il va aller au séminaire. Il va essayer le suivant. Un plan. Maintenant, c'est ici où vous devez vraiment être attentif. Moi aussi, je vous demande d'être attentif.
et rester juste pour quelques 5 minutes sur cette partie, si vous voulez. Ainsi, il va vous donner un don surnaturel. Je suis en train de revenir à tout ceci juste avant de terminer. Il fait point, point, point. Voyez, si il ne peut pas vous tenter à vous amener en dehors de la parole, non, je vais rester avec la parole, alors il vous donnera un don surnaturel. Il a dit, je vais vous dire quoi? Vous montez ici et vous plongez du haut du temple et vous jetez en bas. Voyez-vous, montrez au peuple que vous pouvez faire ça. Que vous pouvez faire quelque chose de surnaturel. Garçon, il les a amenés là. Maintenant, observez ceci. C'est cela. Observez quand vous arrivez à la fin où cette tentation vient. Peut-être il pourrait vous laisser parler à langue. Vous pensez que vous l'avez eu. Voyez. Ou il peut même vous laisser prophétiser. Quoique ce n'est pas en accord avec la parole, j'ai vu des gens se lever et prophétiser et que cela était contraire à la parole, comme l'Est l'est de l'Ouest. Voyez, c'est par la parole que vous vivez. Leur don surnaturel, Satan peut en donner par poignée. Satan a connu que Sam il peut leur donner par poignée. Certainement. Ya solo. Cela ne signifie rien. Jésus n'a-t-il pas dit beaucoup viendront et à moi et pas ce jour-là. Et diront, Pe-ba-koloba. Seigneur, Kolo. N'ai-je pas prophétisé à ton nom? À ton nom, j'ai chassé les démons. J'ai fait des grandes œuvres. J'ai été un grand homme dans l'organisation. J'ai fait toutes ces choses. Ces choses, il dira, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est quelque chose que vous savez que c'est juste et vous l'acceptez et vous ne le faites pas dans votre cœur. Quand vous savez que la Bible enseigne une certaine chose et que vous ne le faites pas, c'est ça l'iniquité. Oh mes frères, paragraphe 218. Oui, peut-être prophétiser contrairement à la parole. Mais maintenant, au moment où il a eu ses dons surnaturels, il est si emporté au loin par le bruit, par le prestige de cela. Gloire à Dieu. J'ai prié pour tel et tel. Ils se sont levés et ils ont marché. Alléluia. Alléluia. Je peux parler à langue. Et quelqu'un d'autre peut interpréter cela. C'est authentique. C'est la vérité. Paul a dit, je peux parler à langue comme les hommes et les anges, et n'être rien. Maintenant, il est si éloigné par les bruits, le prestige, jusque, oh là là, il ne paiera aucune attention à la parole. Oh frère, frère tel et tel a dit ça et ça. Alobibo. Et je devais m'en passer.
Voyez, il est tellement éloigné qu'il ne peut même pas remarquer cela. Que ce soit la parole ou pas, ça ne fait aucune différence. C'est très dangereux. Dieu vous donne un don. Ce n'est pas votre don. Ce n'est pas votre ministère. C'est Dieu qui doit vous utiliser. Ce n'est pas vous-même. Mais quand déjà vous vous sentez que vous êtes au-dessus des autres, vous voulez que les gens vous considèrent à cause du don que tu as. Là, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. En d'autres termes, tu es tombé. Le diable a réussi à te vaincre. Satan a longi yo. Au lieu que toi, tu puisses le vaincre. C'est pourquoi, frères et sœurs, quelle que soit la manière dont Dieu vous utilise, soyez humble. Marchez comme si vous n'êtes même pas utilisé. Soyez humble. Soyez effacé. Lis-moi. C'est ce que Dieu vous demande. Même si vous donnez une prophétie et que cela s'accomplisse exactement, sentez-vous rien. Vous n'êtes rien. Ce n'est pas vous. C'est l'Esprit de Dieu. Il a parlé par vous. Vous n'êtes qu'un vase. Vous n'êtes qu'un micro. Que Dieu a utilisé. Et après cela, vous n'êtes rien. Quand vous vous sentez à vous-même, vous passez parmi les gens. Vous sentez en vous, on est en train de me regarder à cause du don que j'ai. C'est fini. Tu es déjà vaincu par le diable. Nous devons faire attention. Le diable n'est pas loin. Ne vous glorifiez pas. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Laissons Dieu agir. William Branham avait un don. Azaki na likabo. Il pouvait te regarder. Et connaître ce que tu es. Aeba makamonyo sozakati na yo. Mais il ne pouvait pas connaître tout le monde. Kasi akoye koyeba batonyo sote. C'est seulement quand Jésus lui montrait. Ezali kaka tango Yesu alakisi. Il n'y a que Jésus. Bobele Yesu. Où la Bible dit. Oh, Bible. Il ne se fiait à personne. Azali kotale la moto makote. Parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Oh, ezali kati la moto. Mais frère Branham. Ndeko Branham. Il peut être là-bas. Akoye kozalawana. Je ne vous connais pas. Abina ebiote. Mais si le Seigneur me permet de voir ce qui est en vous, allez-vous accepter que je suis son serviteur? Il était tellement humble qu'il ne s'attendait qu'à Dieu. Et pourtant, il pouvait avancer. Priez pour les malades. Priez pour les morts. Mais il s'attendait toujours à Dieu. Mais ce n'est pas les dons surnaturels que le diable nous a toujours. Il nous a toujours eu par ces dons-là. Nous devenons orgueilleux et nous tombons. Maintenant, s'il ne réussit pas à vous faire tomber par la parole de Dieu, il fait ceci, tu es dans la parole. Il te donne un don. Dieu agit. Tu es toujours humble. Tu es toujours effacé. Frère Branham me dit, maintenant, il vient avec un assaut ou pour le vaincre, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il va faire? Il
Il va vous donner une position dans l'église. Akopesa yo esika moko na lingomba. Une fonction dans l'église. Lotomo moko na lingomba. Là c'est fini. Kuna esile. Tu vas faire le compromis avec la parole de Dieu. Okoye ko sala boyoka na lo bananzambe. Tu regardes toujours à ta fonction. Yo tala katango nyoso kaka lotomo na yo. Perdre cette fonction ici. Ah, lotomo kitoko boy. Moi qui ai été diacre, les gens me respectent. Quand j'arrive quelque part, honorable, perdre ça à cause de la parole, c'est ce qui est compliqué. La position dans l'église. Le diable. Diabolo. Quand on vous donne une fonction dans l'église, ceux qui va pécher tout mon moment dans le sang. Faites attention. Keba. Sinon, ceux qui t'es, vous allez faire des compromis avec la parole. Oko banda ko sala boyo kani ya ko kakola liloba. Ça le savoir. Kozanga koyeba. Vous voyez le mal. Oko mona mabe yangoyo. Incapable de corriger ça. Ozangi makoki ya ko sembola yango. Et surtout, vous voyez le mal dans les pasteurs. Mais sinon, je ne serai pas diacre. Sinon, je ne serai pas administrateur. Alors que j'ai déjà acquis une gloire. Frère, faites attention. Soyez sûr Mindi Misa que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Afin que même si vous avez une fonction dans l'église, quand il s'agit de la parole, vous sacrifiez votre fonction à cause de la parole. Au gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Lelo, beaucoup de gens sont liés dans la dénomination parce qu'il est trésorier, parce qu'il est tel, parce qu'on le paye, on lui donne de l'argent chaque mois. Mais si je vais là chez vous, est-ce que vous allez me payer? Nous connaissons un frère, un bon frère. Il a crié en Suisse. Andimana Suisse. Il est venu ici au début là. Ah, ne bandeliwa na yao. Il nous a même prêché. Atei pebiso. Il est allé à l'intérieur. Akeina. Il a prêché. Les gens ont crié l'évangile. Atei bato bandimisa malamu. Mais il regarde là-bas. Atari kuna. Avant d'aller à Suisse. Diboso ki na Suisse. Il était théologien. Il avait un poste dans son église. Et il l'avait envoyé pour une formation. Quand il revient, là-bas, il embrasse le message. Il vient ici. Il prêche. Il rentre à la maison. Il ne va pas manger comme il mangeait avant. Et moi, sans amok. Ceux qui donnent les offrandes. Bon, on appelle ça ma cabo. 200 francs. Bah, 200 francs. Finalement, il a dit au frère. Souka, souka, robina bandeko. Quelqu'un avait deux chiens. Moto moko zaki na bataba mi balé. Un chien noir et un chien blanc. Moko ya mbwa mi balé moko ya pembe moko amuini. Il ne nourrissait que le chien blanc. Azai ko lesa ka mbwa ya pembe. Et le chien noir n'était pas nourri. Pe mbwa ya muindo za ko liate. Alors ce chien-là a fui. Pe mbwa wana kimaki. Je rentre dans ma dénomination. Nazongi ne bongise na biso. Et il est rentré dans sa dénomination. Pe azongi ne bongise na ye. Et malheureusement pour lui. Pe mawapona ye. Peut-être après 3 ou 4 ans. Si manambula misa totomine. Dieu l'a repris. Nzambe azuye. Oui, frère, à cause de la fonction. Pona tina na mosala. Il a abandonné le message. Asundoli sango. Parce que là-bas, il était bien nourri. Il était bien traité. Quand il arrive quelque part, il a des honneurs. Aimer les honneurs.
Linga lokumu. Vous resterez avec les honneurs sur cette terre. Okotika na lokumu na yo awa na mabele. Vous n'allez pas gagner deux fois. Okozwa bilongo mibalete. Vous gagnez ici. Ozwa awa. Vous allez encore gagner au ciel. Okozwa pe kuna lola. Nous voulons être respectés. Tolingi bato sabiso. Nous voulons nous respecter les uns les autres. Tolingi toto sana moko na mosusu. Mais ici. Kasi awa. Il s'agit de vie ou de mort. Ezali kambo ya kufa na bomoi. Ne faites jamais le compromis avec la parole. Komeka kokakola liloba na nzambe te. Ne le faites pas. Kosala yango te. Maintenant le troisième plan de Satan. Tala kobundisare ya misato mwangu na ye. Remarquez alors ce troisième plan. Botala mwangu na ya misato. Sa troisième tentation. Si les autres ont échoué, celle-ci ne sera pas échouée. Voyez, maintenant, il vous donne une position dans l'église. Comme il a fait à Jésus, je vous donnerai le monde entier. Quel couloir! Vous voulez partir? Reste avec nous ici. Nous allons vous donner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Le message c'est quoi? Il va vous donner quoi? Le message. Sango. Ça va vous donner quoi? Est-ce qu'il y a des écoles là-bas? Les écoles. Est-ce qu'il y a des hôpitaux là-bas? Ils restent ici. Quand tu es malade, tu peux être soigné gratuitement. Oh frères et sœurs. C'est horrible. Ezamawa. Et le diable voulait donner le monde ici à Jésus. Frère, madame pose la question. Qui peut faire de quelqu'un un ministre? Nani akoyiko komisa motomoko ministre? Tu es serviteur de Dieu. Tu es ministre. Ministre. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a placé ministre. Mon toi, tu es ministre, zate. Mais tu trembles pourquoi? Tu ne dis pas la vérité pourquoi? On fait des compromis dans l'église. Il y a des mâles. Il y a des choses contraires à la parole. Toi, tu es ministre. Le ministère Tomo. A une place dans l'église. C'est pour garder l'église dans la parole. Et toi, tu ne veux pas. Oh, sinon, on va me chasser. Qui t'a placé ministre? Qui? C'est Dieu qui place le ministère. Toi, tu as peur pour hey. C'est votre message. C'est votre message que vous avez fabriqué. Mais si le message vient de Dieu, moi je n'ai rien à voir dans ce message. Je viens vous annoncer la volonté de Dieu. Si tu veux te fâcher, tu vas te fâcher contre Dieu. Je n'ai rien à voir avec le message. Alléluia. Amen. Frère, Neko. Ne conservez rien de vous-même. Oh, si je vais lui dire ça, il va me déconsidérer. Comme il me donne un peu d'argent, on va couper la bourse. Vous êtes au service de Satan maintenant. Et Satan aime ça. Soyez sûrs que vous êtes un vase dans la main de Dieu. Et vous devez exprimer ce que Dieu vous a dit. Mais si vous regardez vous-même, oh, je ne veux pas perdre ma place. Oh, je ne veux pas être déconsidéré. Je voudrais qu'on me prenne pour un bon garçon. Pour une bonne fille. Honte à vous. Vous êtes au service du diable.
Les trois assauts du diable. Kobundisa mamisato ya satana. Pour retenir les gens. Pona kokanga bato. En dehors de la parole de Dieu. Libanda ya liloba na nzambe. Vous pensez? Yo zako kanisa. Que vous êtes dans la parole. Eto zana kati na liloba. Mais quand le diable vous regarde. Kasi tango nzambe na zotana yo. Par son assaut. Na bibundi na kobundisa mamisato. Vous êtes déjà lié quelque part. Osio kanga miesika moko. Vous êtes en dehors du plan de Dieu. Oza libanda na mokayo na nzambe. Vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Dieu. Vous êtes en dehors du programme de Dieu. Et vous adorez le diable. Voilà comment le diable veut. Parce que son ambition à lui, c'est amener les gens à l'adorer. Et pour adorer Satan, il doit vous amener à considérer ce que lui vous dit. À faire attention okeba, à ce que lui dit. Quel que soit ce que la parole de Dieu dit, le diable veut que vous puissiez faire attention à lui okeba, et non pas à Dieu. Kasi na nzambe te. C'est ça son ambition à lui. Yango posa na ye. Dès qu'il a ces gens-là, il les met à son service. Ils sont en train de l'adorer. Bien que dans leur pensée, ils sont en train d'adorer Dieu. Dans leur pensée, ils sont allés à l'église pour adorer Dieu. Mais pour le diable, si il peut t'amener à te donner de la valeur à cause de ton don, pour lui, tu es allé à l'église pour l'adorer lui. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide pour que nous comprenions ce que ce que le diable est en train de faire. C'est lui qui est notre ennemi. Il ne veut pas alingite que nous puissions appartenir à Dieu. C'est un âge mauvais. Cet âge ici. C'est l'âge le plus glorieux. Mais c'est l'âge le plus pécheur. Mais c'est l'âge le plus glorieux de tous les âges. Pourquoi? Parce que c'est dans cet âge ici où quand nous sortons de cet âge, nous entrons dans l'éternité. Ceux qui étaient de l'âge de Luther, bien qu'ils ont reçu le message de Wesley, mais ils ne sont pas entrés dans l'éternité. Ceux qui sont sortis de l'âge de Wesley, même s'ils ont crié au message des pentecôtistes, ils sont toujours sur la terre, dans le temps, mais maintenant, de tous les âges qui ont existé. C'est notre âge ici. Nous sommes en train de marcher. Dès qu'on sort de cet âge, on n'est pas sur la terre. On n'est pas dans le temps. Mais on est dans l'éternité. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne vous étonnez pas. Un de ces jours, vous penserez que vous êtes en train de marcher. Pour aller quelque part. Pour aller chez toi. Pour aller, je ne sais pas moi. Aux États-Unis. Pour aller en Afrique du Sud. Pour aller à la maison. Pour aller au travail. Un de ces jours. Vous allez comprendre. Que vous n'êtes pas sur la terre. Vous monterez quelque part. Vous entrez dans l'éternité. Pour ne plus revenir ici. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Purifiez-vous. Bon, mi petula. Le temps est terminé. Il est écrit. Et comme quand le septième ange sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu s'accompliraient. Frères et sœurs, quand cet ange puissant, cet ange puissant a mis son pied sur la terre et un autre sur la mer, et qu'il a levé la main, il
Il a crié. Angangi. Il n'y a plus de temps. Tango ezali susute. Combien de temps nous reste encore? Tango boni etikali pona biso. Combien de temps? Tango boni. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il n'y a pas de temps. Même si vous avez beaucoup d'habits, considérez-vous comme si vous avez un seul habit. Un jour vous sortirez avec un seul habit. Vous ne rentrerez plus. Vous entrerez dans la gloire sans habit. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Mais bien aimés frères et sœurs, ne regardez pas au monde. La moquilité. Le monde Mokili. A rien à vous donner. Et ça n'est l'homme à copier sa hôte. C'est pourquoi frère. Yango Nandeko. Aimez-vous les uns les autres. Bon, maman, kona mosus. Ne parlez pas de mal des gens. Bon, loba na ma bena batote. Ne critiquez pas les gens. Kotonga batote. N'avons pas reçu un message. Tozu sango mokote. Pour nous faire plus grand que les autres. Bon, na komi komi sa monnaie. Non, 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 non. Nous avons reçu un message. Tozu sango moko. Qui doit nous amener à nous identifier à Christ. Oye komi mabiso toko kana na Christo. Et Christ était l'homme le plus humble. Il était l'agneau de Dieu. De tous les animaux qui existent, l'agneau est l'animal le plus humble. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, le diable, Zabulu, son travail, Moussanae, c'est de vous tenter. Et pour vous amener pour en dehors de la parole. Libanda na liloba. Mais vous, Kasibino, vous avez reçu l'Esprit de Christ, Oyambi molimo na Christo, qui doit vous maintenir Oye kotele misabino dans oui, la parole de kati Dieu. Na liloba na nzambe. Parce que l'Esprit de Dieu Kwete molimo na nzambe, en vous, kati na bino, c'est une boussole, ezali boussole qui doit vous indiquer toujours Oye kotele misabino tango vers le nord, kuna na ngama na likolo, vers la parole na liloba. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est indispensable de recevoir le Saint-Esprit. Et quand vous l'avez, alors vous êtes en repos. Vous êtes en repos. Et le diable vous craint. Il vous reconnaît. Très bien. Malamu. Que cet homme ici, c'est un fils de Dieu. Le diable connaissait Jésus. Zabulu aiba Yesu. C'est pourquoi il a amené dans le désert. Yango amema ki ekuna na biliki. C'est pourquoi il a tenté. Yango na meka ki. Si tu es fils de Dieu, soki ozali mwana nzambe, il fera la même chose avec toi. Akosala ndenge moko na yo. Oh, gloire à Jésus. Ok, mwana Yesu. Vous devez reconnaître votre position. Et quand vous reconnaissez votre position, le diable ne saura pas vous amener. Il ne saura pas vous amener en dehors de la parole. Vous vous maintiendrez toujours dans la parole. Même si le monde entier vient pour vous convaincre que vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous vous direz, je suis un enfant de Dieu. Parce que vous reconnaissez votre position. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous aide. Parce que nous sommes en train d'avancer. Oh, mes frères, bientôt, nous allons quitter ce monde. Mais Dieu nous a parlé. Il veut marcher avec nous. Il veut marcher avec toi. Comme son ami. Il veut te parler. Il veut chuchoter ses secrets à tes oreilles. Si tu le veux, si tu aimes ça, il veut marcher avec toi. Il veut dormir avec toi. Si tu le veux, alors purifiez-vous. Mi petola. Purifiez vos pensées. Petola makanisi na bino. Purifiez vos cœurs. Petola mitema na bino. Mes bien-aimés, balinga minangai, ce n'est pas le temps. Ezatango te des grandes doctrines. Ya kowela kana ba malakisi. Autour desquelles nous devons nous retrouver. Oh, tozo makuna na katela ba malakisi. Nous nous sommes retrouvés autour des doctrines. Tozo na katela ba malakisi. Qu'est-ce que nous avons gagné? Eloko ni tozui. Rien du tout. Eloko makote? Laissons ça maintenant. Totika yango sikoyo. Venons autour des messages. Toya zonga zonga na sango malam. Tous les messages. Sango mobimba. Que nous comprenions ou pas. Toso sola tote. Voyons tout simplement. Tondi makaka. Et marchez avec les messages. Totambola na sango malam. Dieu lui-même. Nzambe yemako. Il prendra soin de son message. Akoyeba kobatela sango yo.
Dieu ne dépend pas de vous. C'est nous qui dépendons de Dieu. Ce qu'il va faire de nous, il le fera. Ne forcez rien. Croyez seulement la parole. Avancez avec la parole. Et le reste, Dieu lui-même, il le fera. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Oh, kolo apambo na bino. Que Dieu vous bénisse richement. Kolo apambo na bino mingi. Que Dieu vous soutienne. Nzambe asunga bino. Que Dieu vous assiste. Nzambe asunga bino. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nzambe apambo na moko moko na bino. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu bénisse Jésus Christ.
Nous te remercions encore une fois pour ta parole ce soir. Toton Dieu Lissousou, Mbanamoko, Ponali Lobanoena Pokwaoyo.
Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nos âmes ont été touchées ce soir. Kolo milimo na biso esimbami na pokwa oyo. Oh Seigneur, puisses-tu nous pardonner pour tout compromis que nous avons fait avec ta parole. Oh Kolo, olimbisa biso pona kokakola liloba nyonso to salaki. Seigneur Jésus-Christ, ta parole ne rentre jamais à toi sans produire le fait pour lequel elle est sortie. Oh Kolo, liloba na yo ekoki kozonga epai na yo te kozanga koya kosala oyo yango ekoki kosala. Oh divin sauveur, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Yo lobaki ete boya epai na nga bino nyonso bozana mikumba po ete nga nakopesa bino kopema. Tes enfants sont venus à l'hôtel nombreux. Bana na yo bayene tumbelo ebele. Nous sommes là, Seigneur. Vous allez wana Kolo. D'autres ont fait de leur cœur leur hôtel. Oh, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu as dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. Même ils sont rouges comme la pourpre, je les rendrai comme la laine. Puisses-tu pardonner à chacun de tes enfants ce soir? En commençant par tes serviteurs et les croyants. Oh Seigneur. Oh Kolo. Quelle que soit la faute que nous avions commise, puisses-tu nous le pardonner? Nous croyons à ton pardon, Seigneur. Aide-nous à marcher désormais en nouveauté de vie. En croyant toute ta parole. En nous détachant des hommes. En nous attachant seulement au message et à tout le message. Au message que tu as envoyé par ton prophète William Marion Branham. Oh Seigneur Jésus. Oh Kolo Yesu. Oh tout esprit dénominationnel. Oh laisse que le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de vie. Puisse nous conduire dans toute la vérité de la parole. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous te remercions, notre Dieu. Oh Seigneur, oh Kolo, réellement tu es une part suffisante pour nos âmes. Tu es réellement une nourriture pour nos âmes. Car tu es la parole. Ainsi, oh Dieu, puisses-tu bénir l'instrument que tu as utilisé. Oh Kolo, puisses-tu encore le remplir davantage. Si tu tardes à venir, puisses-tu nous parler au travers de notre pasteur. Au nom de Jésus-Christ. Oh divin roi. Oh, divin sauveur. Oh Mobikisiango Zambe. Tes enfants ont des requêtes, c'est sûr. Et toi, tu es la solution à tous nos problèmes. Yo, zali, yano, na makamu, na biso, ceux qui sont venus malades. Bo, bayaki, na bakono. Au nom de Jésus-Christ. Ils reçoivent leur guérison. Bazo, alobi, au nom de Jésus-Christ. Na komo, na Jésus-Christ. Et tous les démons des maladies. Milimo, nyoso, ya maladie. Les quittent. Et bango. Qu'ils aillent dans les haris. Au nom de Jésus-Christ. Na komo, na Jésus-Christ. Seigneur. Kolo. Quel que soit le problème. Atali, kamonini. Qui serait trouvé dans la salle ici. Oye, puisse-t-il trouver la solution? Car ta parole a été prêchée. Au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun problème ne rentre sans solution. Tu as dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Oh Dieu, nous te demandons tout ceci par la foi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Kolo, tu as dit, ne venez pas les mains vides dans la maison de Dieu. Puisses-tu bénir les dîmes et les offrandes? Puisses-tu bénir les travaux de tes enfants? Comme tu l'as promis dans ta parole. Qu'il manque de place pour mettre les bénédictions. Nous te demandons tous ces super. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.
Merci, Pasteur Chade. Ma tante, mon kengeli Chade.